Salut à tous, c'est Alaouf avec vous. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette 18e partie. Donc ce tuto va être assez court et simple. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment donc apporter des modifications uniquement à la première lettre donc d'une phrase ou à la première ligne d'un paragraphe. Ce que je vais faire ici, je vais créer une petite phrase. Donc je ferme ici une balise et je vais dire ici comme titre d'exemple, je vais dire je suis une phrase. Ok? Donc j'actualise ici. J'ai ma phrase qui apparaît. Donc si j'ai envie donc de changer par exemple le format uniquement de la première lettre ici, c'est-à-dire le J. Donc ici, faites P, deux points, et vous spécifiez ici first letter, ok? Et je vais dire ici, donc font weight, bold, j'ai envie de l'afficher en gras, ok? J'actualise. Et j'ai donc le J qui s'affiche en gras. Donc pour le fun, j'ai envie de changer sa couleur aussi, je vais dire ici, donc color red. Ok, j'actualise. Il devrait s'afficher en rouge, donc on voit très bien donc le rouge qui apparaît. Donc ce qu'on peut faire aussi, comme je vous avais dit donc dans le début, donc on peut changer donc la première ligne, apporter des modifications à la première ligne d'un paragraphe. Ce que je vais faire ici, je vais créer une autre ligne. Je vais dire ici donc je suis une autre phrase. Ok, j'actualise. Donc j'ai ma deuxième phrase ici qui apparaît. Donc si j'ai envie donc par exemple de d'écrire cette première phrase en italique. Donc ce qu'on va faire ici, je vais dire ici first line, ok? Je vais virer donc ce bold et je vais dire ici donc font style italique, ok? Italique. Donc j'actualise ici. Donc il n'y a pas de e. J'actualise et j'ai donc uniquement ma première phrase qui est affichée en italique. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous dans cette partie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie et on se voit dans la 19e partie.